le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda. Amen. Donc, en ce dimanche 17 janvier 2021, bien sûr, nous sommes venus adorer notre Seigneur. La caractéristique du service aujourd'hui, c'est la mission. Donc, je vous invite à disposer votre cœur pour pouvoir passer ce temps avec nous. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains et prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, Seigneur. Prends mes mains et prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Mon cœur, mon esprit, et même si je ne
Écoutez cette lecture qui se fera dans Matthieu 10, versets 16 à 22. Voici, dit Jésus, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Inclinons-nous pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants du fait que tu t'es révélé à nous et tu nous permets d'avoir ce privilège de te connaître. Et cette relation, cette connaissance, nous permet de découvrir tant de choses. Tu es un Père rempli d'amour, tu es un Père rempli de justice. Et tu es celui qui nous sauve, car tu as préparé ce plan de rédemption pour notre âme en envoyant Jésus, ton Fils unique, mourir à la croix, à notre place, nous qui sommes des pécheurs. Et lui qui est le Fils de Dieu, sans tache, sans impureté, sans péché, sans transgression contre Dieu. C'est lui qui a subi la peine de nos péchés. Et nous te remercions pour ce salut. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous enseigne et qui nous rappelle les paroles de Jésus-Christ afin que nous les mettions en pratique. Merci aussi du fait que nous qui sommes de faibles créatures, oui, tu nous confies ce travail, tu nous confies cette tâche, tu nous confies, Seigneur, ce ministère d'apporter ta parole sur toute cette terre. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons manqué à plusieurs égards. Oui, nous sommes disqualifiés. Mais nous te sommes reconnaissants de ce qu'en Jésus-Christ, tu nous reçois à ton service. Cette tâche d'apporter ce salut sur cette terre est une tâche qui est comme un verre fragile que tu mets dans nos mains tremblantes. Mais c'est toi, c'est bien toi qui raffermis tous les membres de nos corps. C'est toi qui raffermis nos mains afin que nous puissions porter cette nouvelle dans ce monde. Éternel notre roi, tu nous dis dans ta parole que dans n'importe quelle situation, même celle où nous sommes prisonniers, même celle où nous sommes devant des gouverneurs ou des rois ou des autorités, des tribunaux, tu te charges par ton esprit de nous donner les paroles qu'il faut pour notre défense. Quel Dieu merveilleux tu es. Oui, nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups, mais nous avons la puissance de Dieu, car c'est lui qui exécute tout. Donc nous ne sommes pas forts, mais toi tu es fort et c'est tout ce qui suffit. Que ton nom soit béni et glorifié encore une fois dans ce service et reçois cette prière que nous t'offrons, Seigneur. Cette faible prière que nous te demandons de compléter. Accorde-nous aussi, Seigneur, notre Père, le privilège de t'adorer en ce moment, avec zèle et avec force et avec pleine assurance, car en Jésus, nous avons la pleine assurance lorsque nous venons en ta présence, devant ton trône. Que ton nom soit béni, Père, et glorifié. Bénis-nous par ta présence, au nom de Jésus, lui qui nous a appris à prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Chantons ensemble « La voix de Christ nous appelle », numéro 231, chant d'espérance, qui correspond au numéro 347, sur les ailes de la foi. D'action de grâce envers notre Seigneur. Nous allons lui dire merci. Merci pour la vie qu'il nous a donnée. Nous allons lui dire merci.
Merci pour les âmes qui viennent à lui. Nous disons merci pour ceux qui entendent une partielle de sa parole, parce que c'est lui qui fait le travail. Donc, on va lui demander à ce qu'il puisse traverser les océans. Où est-ce que nous, nous sommes confinés dans notre maison? C'est lui qui peut aller plus loin. Donc, on va déjà lui demander sa grâce et sa faveur, et nous allons lui dire merci pour ça. Prions ensemble. Nous sommes rendus à la période des dîmes et des offrandes. Donc, je vous invite à vous mettre debout, vous et votre famille à la maison. Nous allons chanter ce chant qui dit : Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, partout dans le monde, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Je vous invite à taper des mains, sauter, danser avec nous. Nous voulons voir Jésus élevé comme
remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne, en dépit des circonstances, de pouvoir nous approcher devant le trône de sa grâce, parce que son trône couvre l'univers. Nous allons l'adorer. Souvenons-nous de ces paroles du psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent point, des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ce qui les fabrique. Seigneur, nous courbons devant ta sainte majesté, dans ce temps difficile, mais que tu contrôles. Parce que sur ton trône de gloire, tu règnes éternellement et à toujours. Nous bénissons ton nom, nous t'adorons et nous te louons pour le grand Dieu que tu es. Et nous sommes contents de te servir et de t'appartenir, parce que nous savons que notre vie est dans ta main et ton plan est parfait et sur mesure pour chacun de nous. Nous célébrons ton nom, nous reconnaissons ta grandeur, ta magnificence, ta gloire et ta majesté, et nous nous prosternons devant toi pour rendre gloire à ton saint nom, pour t'ouvrir nos cœurs et t'exprimer notre gratitude, pour te remercier pour tes bienfaits sans nombre et tes bontés que tu nous renouvelles matin après matin. Nous nous jetons à tes saints pieds pour nous soumettre à ton autorité, parce que nous voulons te suivre et te servir, t'obéir, puisque tu es le Dieu de notre salut. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et te suivre, c'est faire route vers le Canaan céleste, vers la maison du Père pour toute l'éternité dans la félicité. Seigneur, nous prions que ta présence nous remplisse ce matin. Nous prions que ta gloire rayonne dans le cœur de tes enfants et au milieu de ton peuple. Nous prions que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à ta présence et à ta parole pour cette communion qui vivifie et qui transforme. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés parce que nous voulons profiter pleinement de ta présence et être imprégnés par ta puissance pour être transformés et dans notre intelligence, ô notre Dieu, notre Père. Sois avec nous, nous avons besoin de toi. Ton peuple soupire après toi, après ton regard de faveur. Ton peuple soupire après ton toucher, toucher de délivrance, de guérison et de victoire. Ton peuple a besoin de ta bonne main sur nos épaules pour être consolé, guidé et rassuré. Nous t'en supplions, prends ta place au milieu de nous et fais ton œuvre dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton plan parfait. Merci pour tes riches bénédictions. Merci pour le don de la vie dans ce temps de pandémie qui a emporté tant d'hommes et de femmes, tant de jeunes. Merci et nous prions que tu nous donnes la sagesse comme Moïse avait prié, que tu nous enseignes à bien compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. Notre Dieu, notre Père, fais-nous grâce de reconnaître toutes tes bontés que tu uses envers nous. Et tu as une raison certainement, donc donne-nous du discernement pour comprendre ton plan et pour faire ta volonté. Bénis nos enfants, fais qu'ils grandissent en stature, en grâce et en sagesse devant toi et devant les hommes. Bénis nos adolescents, que leur cœur s'ouvre déjà à ta présence et à ta parole, et suscite parmi eux de jeunes Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, de jeunes Ruth, ô notre Dieu, notre Père,
des jeunes qui vont prendre position pour toi et qui vont s'afficher, s'exprimer au notre Dieu d'amour parce qu'ils croient en tes promesses et en ta parole. Nous prions au notre Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, que tu bénisses ton peuple, ton Église et que tu sois avec chacun de nous. Nous nous remettons entre tes mains bénies, reçois nos louanges, agis en notre faveur et secours-nous. Bénis toutes les dames de l'Église, toutes les familles, apporte la paix dans les foyers, le respect, la dignité, la joie de t'appartenir. Que le Saint-Esprit ait toute la place pour nous rapprocher plus près de toi. Bénis nos aînés, bénis les hommes, bénis toutes les activités, tous les leaders. Bénis-nous tous en abondance. Nous avons besoin de toi. Reçois les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Console les cœurs de ceux qui ont perdu des êtres chers, en sorte que Dieu puissant, il puisse continuer à te louer, à s'abandonner à toi et à craindre ton nom. Sauveur fidèle, entends le cri de nos cœurs. Nous prions pour ce pays. Nous prions pour les nations. Nous prions pour Haïti. Nous prions pour les enfants de la rue. Nous prions pour ceux qui vivent des moments difficiles. Entends le cri de nos cœurs et agis. Et donne la victoire sur cette pandémie. Nous savons qu'en ton temps, tu fais toutes choses merveilleuses. Nous prions pour cette grande délivrance que tu accorderas. Par le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 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 Nous sommes dans ce thème de l'année, l'unité, tiré de Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec chacun de vous. Avec chacun de vous. Et depuis le premier dimanche du mois de janvier, nous avons abordé ce sujet, l'unité divine. Et c'est ce sujet que nous allons encore traiter aujourd'hui, l'unité divine. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, connaissez-vous le Dieu qui est votre Dieu, que vous servez? Le connaissez-vous? Il est très important de connaître Dieu. Très important de connaître Dieu pour ne pas le comparer à qui que ce soit et à personne, parce qu'il est sans égal. Deuxièmement, pour ne pas le confondre à d'autres dieux, parce qu'il est au-dessus de tous les dieux. Et rien, absolument rien, ne peut lui ressembler. Il est important de connaître Dieu, surtout pour ne pas le remplacer dans notre vie par un quelconque autre dieu. Le Dieu souverain, éternel, tout-puissant, trois fois saint, est tout simplement irremplaçable. Aucune chose ni personne ne peut être Dieu à sa place. Il est le seul éternel. Il est le seul éternel. Il est aussi très important de connaître Dieu pour bien comprendre l'immensité de ses grâces envers nous en Jésus-Christ. Très important de comprendre toute la richesse de sa grâce envers nous en Jésus-Christ afin de le servir avec une telle compréhension et un cœur rempli de sentiments d'attachement et de reconnaissance. Dieu lui-même a dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple
est détruit parce qu'il lui manque. Il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, dit Dieu, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Notez bien, frères et sœurs, le texte ne parle pas de la connaissance intellectuelle, mais plutôt de la connaissance de Dieu. Puisque le peuple l'a rejeté et a oublié sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, a fait la déclaration de Jean, chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul avait prié pour les chrétiens de Colosse dans les mots de Colossiens, chapitre 1er, versets 9 à 11, qui dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Pourquoi ? Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, toujours et avec joie, persévérant et patient. Nous avons besoin de connaître notre Dieu. La semaine dernière, une amie de mon épouse, qui était premièrement adventiste, ensuite baptiste, et qui est redevenue adventiste, a appelé à la maison et elle m'a dit à moi. Dieu lui a ouvert les yeux et lui a montré une chose extraordinaire. Selon 1 Corinthiens 7, verset 19, l'observation des commandements de Dieu est tout. J'ai écouté. Et elle a ajouté, Dieu lui a montré que la Trinité n'existe pas. Et quand j'ai voulu lui répondre, elle ne m'avait laissé presque aucune occasion de lui parler. Alors, je lui ai dit, « Tu as appelé, parlé, et je t'ai écouté. Veux-tu maintenant me prêter ton attention ? Je ne suis pas intéressé à une discussion vile, stérile et inutile. Cependant, une chose que je sais, Dieu ne va jamais révéler à ses enfants ce qui est faux. Dieu ne va jamais révéler à ses enfants ce qui est faux, et encore moins une fausseté contre lui-même. Parce que quand même le mot « Trinité » n'est pas mentionné, la réalité de la Trinité imprègne toute la Bible. Frères et sœurs, connaissons-nous le Dieu qui est notre Dieu que nous servons? Le connaissons-nous? Henri Citizen, dans son livre « Esquisse de la théologie biblique », a dit « La doctrine de la Trinité n'est pas une vérité de la théologie naturelle, mais de la révélation. La raison peut nous montrer l'unité de Dieu, mais la doctrine de la Trinité vient de la révélation directe. Dans la doctrine chrétienne, le terme Trinité signifie qu'il y a dans l'unique essence divine
trois distinctions éternelles connues respectivement comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, dès le tout début de la création, malgré des indices préliminaires de la diversité de la personne de Dieu, comme nous avions vu dans le message du dimanche 3 janvier dernier, dans Genèse chapitre 1, verset 1, le texte dit « Au commencement, Dieu créa » et le mot « Elohim » est le pluriel de « El » pour Dieu. « Elohim » est le pluriel de « El » pour Dieu. Dans Genèse 1, verset 2, il est dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu se mouvait. Et dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Première personne du pluriel. Pluriel d'intensité. Au pluriel, première personne, au pluriel normal, pluralité, faisons l'homme. Et dans Genèse 3, verset 22, encore Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le. Première personne du pluriel. Et dans Genèse 11, verset 17, où Dieu dit, « Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. » Première personne du pluriel. En dépit de ces indices, et beaucoup d'autres dans toute la Bible, la toute première chose, frères et sœurs, que Dieu veut, que nous tous, le monde, et particulièrement nous, son peuple, nous sachions, la toute première chose, c'est qu'il y a un seul Dieu. Et il est. Il y a un seul Dieu et il est. Il est le seul éternel. Et il a répété ce message à son peuple, les enfants d'Israël qu'il avait pris du milieu des Égyptiens, un peuple idolâtre et polythéiste. Premièrement, à travers son serviteur Moïse, il a répété ce message. En Deutéronome chapitre 4, verset 35, les enfants d'Israël ont été rendus témoins de ces choses, témoins des grands miracles et prodiges que Dieu a faits, afin qu'ils reconnussent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Les enfants d'Israël ont été rendus témoins des miracles que Dieu avait faits afin qu'ils reconnussent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Au verset 39 du même chapitre, Deutéronome chapitre 4, Dieu a dit « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu dans le ciel ni sur la terre. Il est le seul éternel. » D'où la déclaration de Moïse aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. La raison pour laquelle aussi, Israël, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc ton cœur ne sera partagé à aucun autre Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et plus tard, à travers le prophète Ésaïe,
Dieu a insisté, martelé le même message. Voici seulement au chapitre 45 de la prophétie d'Ésaïe quelques exemples de l'accentuation de ce message. Ésaïe 45, versets 5 et 6, Dieu a dit à propos d'un certain Cyrus qui n'était pas né encore et qui allait devenir un grand monarque mondial, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant de l'est à l'ouest que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Et dans le même chapitre, au verset 18, il a ajouté, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En d'autres mots, le Dieu créateur des cieux et de la terre est le seul Éternel. » Et au verset 21 du même chapitre, 22 et 23, il a ajouté, Dieu a ajouté, « Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Il n'y en a point d'autre. Donc le Dieu sauveur est le seul Éternel. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Frères et sœurs, pourquoi ce message répété? Pourquoi une telle insistance? Pourquoi? Je dirais pour une seule raison, une raison précise, pour notre éducation. Et nous avons là l'explication dans le premier des 10 commandements, selon Exode chapitre 20, le verset 2 et 3, quand Dieu avait dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » La raison pour laquelle Dieu insiste sur ce message, c'est pour nous éduquer dans nos cœurs à comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu, donc on n'aura pas d'autre Dieu devant sa face. Il est le seul Éternel. Il est le seul Éternel. Donc, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Aussi, l'adoration lui est due à lui et à lui seul. L'adoration est due à Dieu et à Dieu seul. Voilà le but de cette insistance, de cette accentuation de ce message. Et la deuxième chose, la deuxième grande vérité ou vérité parallèle que Dieu veut que nous sachions de lui. Oui, il est le seul Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Il est le premier et le dernier. Mais ce Dieu qui est un se révèle. Ce Dieu qui est un se révèle. Et il se manifeste en trois personnes. D'où la doctrine de la Trinité, comme Thyssen l'a dit si bien dans son esquisse. L'unité de Dieu
permet l'existence de distinctions personnelles dans la nature divine, tout en reconnaissant que la nature divine est numériquement et éternellement une. L'unité de Dieu, dit Thyssen, permet l'existence de distinctions personnelles dans la nature divine, tout en reconnaissant que la nature divine est numériquement et éternellement une. Ce Dieu qui est un nous avait promis un sauveur à travers la postérité de la femme depuis le jardin d'Éden. Et avant d'envoyer cette postérité de la femme, avant de l'envoyer, il nous a présenté plusieurs portraits de ce sauveur. Dans le psaume 2, verset 7, il a dit, « L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, c'est Dieu lui-même qui engendra ce fils, assurément, pas à la manière des hommes, mais à la manière divine. Et voilà où plusieurs se confondent. Dieu a engendré son fils, pas à la manière des hommes, mais à la manière divine. Je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils. Et dans le psaume 110, verset 1er, Dieu a annoncé la position de ce fils à sa droite. Quand il a dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, dit David, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, peut-être que vous voudriez avoir votre propre interprétation de cette déclaration, mais écoutez, chers frères et sœurs, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 5 à 13, comment l'auteur inspiré explique cette déclaration du seul Dieu qui confirme la divinité de Jésus-Christ. Voici ce que l'auteur dit. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ?» Pour ceux qui osent prétendre que Jésus-Christ est un ange et d'être supérieur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Maintenant, si Dieu avait insisté que l'adoration est due à Dieu seul, il est le seul Dieu. Voici, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est Dieu qui parle, qui confirme la divinité de son Fils. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Maintenant, ce n'est pas mon explication ni mon interprétation, mais c'est l'auteur inspiré qui explique cette déclaration de Dieu le Père. Et tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Maintenant, si le Dieu créateur qui a fondé la terre et les cieux est le seul éternel, voici, Dieu confirme que le Fils a aussi fondé la terre. Il dit, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas parce que tu es éternel. Et quand et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied, parce qu'aucun ange n'est égal à Dieu. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Quelques siècles avant la naissance de ce Fils de Dieu Sauveur, Dieu nous a présenté, je dirais, un portrait final. Le portrait final suivant, dans les mots d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5, que nous connaissons tous, lorsque Dieu avait dit, « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Pourquoi ? « Car un enfant nous est né. » Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dieu nous a présenté ce sauveur, ce fils, dans toute son identité. Et à sa conception, c'était quelques siècles avant, à sa conception, l'ange avait dit à Marie les paroles de Luc, chapitre 1er, verset 31 à 35, que voici, et voici, dit l'ange à Marie, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira, donc par son opération, de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Fils de Dieu. C'est ce Jésus, le fils unique de Dieu, fils unique et éternel de Dieu, qui a déclaré dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Allô? C'est ce Jésus, le Fils de Dieu, Fils unique et éternel de Dieu, qui a déclaré dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Pas deux, parce qu'il y a un seul Dieu. Nous sommes un. Nous sommes un, moi et le Père. Nous sommes un. Et qui, en réponse à la question, c'est ce Jésus aussi, en réponse à la question de Philippe, dans Jean 14, le verset 8, qui avait dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui a expliqué ce mystère divin. Mystère divin. Nous sommes à Philippe et aux apôtres. Dans les paroles de Jean, chapitre 14, verset 9 à 11, lorsque Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Mystère divin révélé dans cette explication pour que nous comprenions la doctrine de la Trinité. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, dit le Seigneur. Et il termine ainsi, croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, mais croyez-le.
C'est aussi ce Jésus, le même Jésus, fils de Dieu, fils unique de Dieu, qui est un avec son Père, qui a déclaré dans Jean chapitre 15, le verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jésus-Christ est en train de nous dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, procède du Père et du Fils. Dieu avait dit, « Or moi, il n'y a point de Dieu, mais le Fils est en lui, l'Esprit est en lui. » Ainsi, le Consolateur provient du Père et du Fils qui forment les trois personnes de la Trinité. Les trois personnes de la Trinité. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la doctrine de la Trinité imprègne toute la Bible. Toute la Bible, tout le plan de Dieu. Tout le plan de Dieu est bâti sur la réalité de la Trinité, où les trois personnes de la Trinité sont en action dans une unité parfaite pour notre salut et pour la gloire éternelle de notre Dieu. Trois personnes en un ou une. Trois personnes en un seul Dieu et un seul Dieu en trois personnes. Et un seul Dieu en trois personnes. Comme le symbole d'Athanase le dit bien, nous adorons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Nous adorons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confusion de personnes et sans division de la substance. Les trois personnes sont coéternelles et égales, de telle sorte qu'il faut adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. De telle sorte qu'il faut adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Chers amis, nous arrivons vers la fin de ce message, mais pensez-y. Pensez aux nombreuses conséquences doctrinales. Si toutefois la Trinité n'existe pas, L'apôtre Paul, dans sa plaidoirie en faveur de la résurrection, avait dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 14 et 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, mais notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. » Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Voici, frères et sœurs, quelques implications de cette ignorance, ou si vous préférez fausseté, ou encore fausse doctrine, à propos de la Trinité, les gens qui disent que la Trinité n'existe pas. S'il n'y a pas de Trinité, Jésus n'est pas Dieu. S'il n'y a pas de Trinité, Jésus n'est pas Dieu. Oh, laissez-moi le dire autrement. S'il n'y a pas de Trinité, Jésus ne serait pas Dieu. Et si le Saint-Esprit non plus n'est pas Dieu, s'il n'y a pas de Trinité. En d'autres mots, Jésus-Christ, la parole divine et éternelle faite chair, comme l'apôtre Jean nous le décrit dans les paroles de Jean chapitre 1, versets 1, 2 et 3, au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et voici au verset 14 de ce même évangile, il dit que « Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Écoutez, s'il n'y a pas de Trinité, Jésus-Christ, la parole divine et éternelle faite chair, comme Jean nous le décrit, ne serait plus, il ne serait plus Emmanuel. Emmanuel, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé, voici la Vierge deviendra enceinte. Ésaïe 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Non seulement, frères et sœurs, écoutez, le prophète Ésaïe l'avait annoncé et que l'ange avait expliqué cette prophétie à Joseph dans Matthieu 1er, verset 23. Lorsque le texte dit que voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. S'il n'est pas Dieu, donc tout cela c'est faux. Voyez-vous les implications des fausses doctrines et tous les dégâts que causent les faux docteurs qui parlent dans leur propre intérêt et parfois dans l'ignorance. S'il n'y a pas de Trinité, Jésus-Christ n'est pas Dieu, le Saint-Esprit non plus. Et toutes ces paroles, donc c'est ce qu'il vient de dire que, et le prophète Ésaïe, et l'ange de Dieu qui avait apporté le message à Joseph, et Jean, ils sont tous menteurs. Ils vont dire que la Bible, c'est faux. Voyez-vous le danger des fausses doctrines. Deuxièmement, s'il n'y a la Trinité n'existe pas, Dieu non plus n'habiterait pas vraiment le cœur de ses enfants par son Esprit Saint, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. S'il n'y a pas de Trinité, donc Dieu n'habite pas le cœur de ses enfants par son Esprit Saint, car l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. On est le tabernacle de Dieu et Dieu habite en nous par son Esprit Saint. Par son Esprit Saint, tout cela serait aussi faux. Et troisièmement, s'il n'y a pas de Trinité, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc Jésus-Christ serait en concurrence avec Dieu, avec son Père, dans toutes ses déclarations et ses explications. Jésus-Christ serait en concurrence. Et pourtant nous avons vu un Jésus-Christ marcher au milieu de nous dans la totale soumission à son Père. Il avait dit aux Juifs, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ce n'est pas ce Jésus que nous avons. Écoutez, s'il n'y a pas de Trinité, Jésus-Christ serait en concurrence avec son Père dans toutes ses déclarations et explications, parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Serait faux. Et dans Jean chapitre 14, verset 9 à 11, quand Philippe lui avait posé la question, il a bien dit, montrez-nous le Père, il a répondu, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
Chers amis, le temps est venu pour que nous comprenions l'Évangile. Le temps est venu pour que nous soyons bien affermis dans la connaissance de Dieu, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Le temps est venu pour que nous expérimentions cette connaissance afin d'être affermis dans notre foi et que nous croissions à tous égards, en dépit des temps difficiles et de toutes les faussetés qui se propagent dans notre génération. Le temps est venu. Le temps est venu. À cause de cela, dit Jésus, il avait dit, écoutez, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, et dit l'apôtre Jean dans Jean 5, versets 18 et 19, mais aussi se faisant lui-même égal à Dieu. Les Juifs de son temps avaient compris que Jésus-Christ, en se déclarant fils de Dieu, se faisait égal à Dieu. Se faisait lui-même égal à Dieu. Et aujourd'hui, les gens disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'y a pas de Trinité. Et aussi, ainsi, on vit dans la division et la querelle pour défendre nos intérêts personnels. Et on rejette l'unité divine qui est notre modèle parfait. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pas moins, pas plus, parce que personne ne peut faire plus, mais le Fils le fait aussi pareillement, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19 et 20, l'apôtre Jean a dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. » En son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui, dit l'apôtre Jean, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que Jean s'est trompé? C'est lui qui est le véritable, le Dieu véritable et la vie éternelle. S'il n'y a pas de Trinité, l'Évangile n'existe pas non plus. S'il n'y a pas de Trinité, l'Évangile n'existe pas non plus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais vous laisser avec ces deux avertissements. Deux avertissements. Notre Dieu est un. Il est le seul éternel. Hors de lui, il n'y a pas de Dieu. Cependant, ce Dieu qui est un se manifeste en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous a donné plusieurs démonstrations lors du baptême de Jésus-Christ. Nous avons eu cette manifestation de la Trinité lorsque Jésus-Christ sortait de l'eau, que le Saint-Esprit descendait comme une colombe et Dieu le Père a parlé du haut des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus-Christ lui-même, pour conclure le mandat par excellence, nous appelons la grande commission qu'il avait confiée aux apôtres, nous a dit à nous tous, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un a fait remarquer que le « au nom » est au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous dis, frères et sœurs,
Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention aux faux docteurs qui véhiculent des faussetés pour leur intérêt personnel. Et aujourd'hui, c'est tellement facile. Faites attention à ce que vous lisez. Restez à votre église où la parole de Dieu est enseignée. Nourrissez-vous de cette parole. Il y a des choses. Soyez bien ancrés pour pouvoir résister aux faux docteurs pour ne pas être leur poids. Connaissez Dieu. Il est important de le connaître pour mieux le servir. Connaissez Dieu. Et comme l'apôtre Paul avait très bien dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, demeurez, retenez l'évangile comme il est. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés sur les Écritures. Et il va continuer pour vous écouter, si nous le retenons tel qu'il est. Nous devons retenir l'évangile comme il est. Nous devons retenir l'évangile comme il est. Nous devons recevoir cette parole comme elle est pour la mettre en pratique vraiment afin de plaire à Dieu. Ce n'est pas notre responsabilité de changer la parole, mais c'est la parole qui va nous changer. C'est un piège de retrancher. C'est notre piège d'y ajouter notre responsabilité d'obéir à la parole. Puisse Dieu vous bénir. En sorte que nous croissions à tous égards, surtout dans la connaissance de notre Dieu. Croître dans la connaissance de notre Dieu, connaître notre Dieu, comme nous avions dit au tout début, pour plusieurs raisons. Pour d'abord, écoutez, je l'avais dit au tout début du message, connaître Dieu, bien ancré en lui, pour d'abord ne pas le comparer à qui que ce soit et à personne, parce qu'il est sans égal. Pour non plus ne pas le confondre à d'autres dieux, parce qu'il est au-dessus de tous les dieux, et rien, absolument rien, ne peut lui ressembler. Et surtout pour ne pas le remplacer dans notre vie, par un quelconque autre dieu, voiture, maison, plaisir, et tout ce que vous voudriez ajouter. Parce que le Dieu souverain, éternel, tout-puissant, trois fois saint, est tout simplement irremplaçable. Irremplaçable. Aucune chose, aucun plaisir, aucun autre nom, personne ne peut être Dieu à la place de Dieu dans ma vie, dans ta vie. Il est le seul éternel. Et nous devons l'adorer en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Donc nous devons, comme Thyssen l'a dit, adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu pour résister aux intempéries doctrinales des derniers jours et toute cette facilité que les faux docteurs ont pour vous atteindre et que vous soyez immunisés, vacciné, nourri, fortifié dans votre être entier afin de servir Dieu avec conviction et détermination. Prions le Seigneur. Prions. Ô notre Dieu, notre Père, nous voici prosternés devant toi. Pour te rendre gloire et honneur et louange pour le Dieu que tu es. S'il y a aujourd'hui, beaucoup de voix qui parlent. Et tu nous permets de reconnaître ta voix quand tu nous parles. Donne-nous cette oreille attentive. Donne-nous cette discipline spirituelle. Donne-nous, Seigneur, cette capacité, c'est ton esprit de discernement pour, ô notre Dieu, nous nourrir de la bonne parole que tu nous as donnée, ta parole. Afin que notre foi, et Seigneur, notre Dieu, dépasse les bornes de notre communauté et atteigne, ô notre Dieu, notre roi, et rejoigne des hommes de
de partout dans le monde entier. Bénis Bethesda, bénis ton peuple, bénis tous tes rachetés et fortifie-nous richement, abondamment. La gloire, la puissance et l'honneur et l'adoration, tout est à toi seul. Fais ton œuvre en nous, transforme-nous, rapproche-nous plus près de toi. Ouvre nos yeux, fais-nous contempler ta grandeur, ta magnificence, ta gloire et ta sainteté. Pour la seule gloire de ton nom, par Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur, nous te prions. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient à Bethesda. Je voulais prendre le temps de remercier le Seigneur pour toutes les équipes avec lesquelles nous travaillons pour rendre les services possibles semaine après semaine. Le son, le vidéo, la projection, les musiciens, le groupe de louanges. Merci pour votre travail exceptionnel dans les dernières semaines et spécialement pour les sacrifices que vous avez faits compte tenu de la saison dans laquelle nous vivons. Je voulais prendre le temps de dire un merci tout spécial à Zachary, Diana, Jordanie, Charlie, Reynaldo et Andrew qui ont pris du temps de leurs vacances pour faire un travail exceptionnel à l'église. Nous voulons reconnaître le travail que vous avez fait et je prie que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment, bénisse vos familles, tout ce qui vous entoure dans cette saison et qu'il vous garde. Mais merci à tout le monde, vos sacrifices sont appréciés, mais je prie que le Seigneur vous le redonne au centuple. Soyez bénis. Merci d'avoir adoré avec l'Église évangélique baptiste de Bethesda. Voici les annonces de la semaine. Les dames auront une série d'activités et de conférences du 24 au 29 janvier prochain. Le tout sera conclu par un jeûne de prière samedi le 30 janvier de 9h à midi sur la plateforme Zoom. On vous attend, branchez-vous tous les soirs de dimanche le 24 au vendredi le 29 et le samedi matin de 9h à midi. Compte tenu des annonces du gouvernement, l'église est fermée jusqu'à nouvel ordre. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours suivre nos services en ligne sur notre plateforme YouTube ou encore sur Zoom en composant le code d'accès 514-629-1453 suivi du carré. À 9h45, nous vous attendons pour l'école du dimanche. Vous vous connectez encore une fois sur Zoom 438-809-7799 ou à travers l'application et vous joignez une réunion. Le code d'accès 514-629-1453 et le mot de passe 7012. Tu as du talent pour la créativité? Ça t'intéresse les médias sociaux? Mais ça tombe bien parce que l'Église est à la recherche d'une équipe de créativité. Que ce soit pour les médias sociaux, que ce soit pour un setting de stage, que ce soit pour faire des affiches, on cherche plein de monde pour faire le travail. Contactez-nous, soit à l'administration ou viens voir Samuel. À bientôt! Bonjour à tous! Vous avez besoin d'une consultation juridique dans le domaine du droit civil, droit de la famille, droit des affaires et commerciales, droit de l'immigration. Alors, le cabinet Erit vous ouvre ses portes du 8 au 10 février pour une consultation de 30 minutes gratuite. Pour vous inscrire, vous avez juste à composer le numéro 514-903-1388 ou simplement nous écrire un courriel à info@erit.com. Vous avez jusqu'au 5 février pour vous inscrire. Les places sont limitées. On vous attend. David, c'est quoi l'Etudera? C'est des professeurs qui nous aident à faire nos devoirs. Et toi, Kirina? Ben moi, j'ai fait la géométrie là-bas. Ma Rose. Branchez-vous sur Zoom à 4 heures tous les jours. C'est ça? De lundi à vendredi. Le code est 830-444-31477. On vous attend! Est-ce que tu cherches un ministère pour servir? Est-ce que tu veux semer dans la vie des gens autour de toi d'une manière ou d'une autre pour la gloire de Dieu? Une belle opportunité s'offre à toi.
le département de l'évangélisation de l'Église aura sa première rencontre annuelle le dimanche 17 janvier 2021 à 18h30. Ça va se faire sur la plateforme Zoom. Le code d'accès est le 847-1628-4546 et le mot de passe 333-444. Tu peux aussi le faire par téléphone en composant le 438-809-7799 et le code d'accès 847-1628-4546. Suivi du carré. À bientôt! Toutes nos activités virtuelles continuent, c'est-à-dire les dames le lundi à 18h30, les cellules de prière selon vos quartiers respectifs, nos études bibliques le vendredi soir à 19h et le temps de prière des hommes le samedi à 18h30. Tous ces groupes se trouvent sur notre plateforme Zoom avec le code d'accès 514-629-1453. La matinée missionnaire des enfants. Si tu as entre 4 et 10 ans, connecte-toi avec nous sur Zoom le samedi matin à 9h50. Le code Zoom est le 437-148-1713 et le mot de passe est 70121. On t'attend! Nous vous encourageons à continuer à honorer Dieu dans vos finances en semant dans le ministère de votre église locale, l'église Bethesda. Vous pouvez le faire par virement bancaire à l'adresse courriel dons@commercialeglisebethesda.ca. Toutefois, vous pouvez aussi aller sur le site internet de l'église et le faire par PayPal en cliquant sur « Faire un don ». Vous avez aussi l'opportunité de le faire par chèque à notre casier postal, Église Bethesda, case postale 144, succursale Saint-Michel, Montréal, Québec, H2A3L9. Vous avez aussi quelques diacres qui sont disponibles pour vous aider dans votre secteur résidentiel. Donc, pour le secteur de Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, voyez Frère Abélard ou Sœur Nice. Pour Saint-Léonard, Anjou, La Salle, Dollard-des-Ormeaux et toute la rive sud, le Frère Luxet ou la Sœur Marquise. Montréal-Centre, Villeray, Saint-Michel, Ahuntsic et Verdun, voyez le Frère Rousseau ou la Sœur Carole. Pour Laval, toute la rive nord ainsi que Repentigny, voyez le Frère Sorel ou la Sœur Edeline. Ceci complète nos annonces de la semaine. Passez une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Recevons la bénédiction. Et que la grâce et la paix de notre Dieu, l'amour infini de Dieu notre Père, la présence la communion du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous. Parce que à lui, comme au Fils et au Saint-Esprit, soit gloire, honneur et louange, dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles.